جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. En même temps, on souhaite Mazal Tov et la Bar Mitzvah Avner Ben Yaudré qui réussit Be'ez Hashem dans sa vie. Et vous êtes devenu Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, ça veut dire que à partir de maintenant, vous avez une obligation de respecter les mitzvot, les prières, mais faire attention à ce que tu fais. Tu es devenu un adulte. Et c'est ça la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, la Torah est dit Shoftim veshotrim titelecha bechol she'arecha. Il faut avoir des shoftim, des juges et la police dans là où vous habitez. La question, elle est grande. Est-ce que vous avez entendu un jour, un endroit où il n'y a pas de police, même dans les tribus, en Afrique, il y a toujours la police, il y a toujours un roi, il y a toujours un juge. Est-ce que la Torah a besoin de nous dire qu'on doit avoir des juges, qu'on doit avoir la police, qu'on doit avoir des surveillants? Non. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Depuis la création du monde jusqu'à maintenant, le monde ne peut pas tenir sans juge, sans la police. Comme que Hachamim disent que s'il n'y avait pas les juges et la police, Ish et Ahiv Haim Balaou, chacun va avaler l'autre, chacun va tuer l'autre. C'est impossible. C'est quoi la raison pourquoi la Torah nous dit il faut avoir des juges et la police? Alors, je voudrais simplement vous dire une chose qui est extraordinaire. Aujourd'hui, on a peur que la police nous voit lorsqu'on brûle un feu rouge. On a peur que la police nous arrête si on vole. On a peur. Il y a la police. On a peur de la police. Surtout lorsqu'on sait, on voit de loin un policier, les gens commencent à ralentir. On a peur des radars. On a peur de tout. Mais Rabotai, je vous pose une question. Est-ce que il y a la police à la maison lorsque l'homme, sa femme est Nida et qu'il ne la touche pas? Est-ce qu'il y a la police à la maison qui le surveille et ne pas toucher sa femme? Est-ce que moi, lorsque je suis dans un avion et j'ai faim, est-ce qu'il y a la police avec moi qui me surveille si je mange du cachère ou je ne mange pas le cachère? Non. C'est tout à fait normal. Est-ce que ma femme, lorsque elle me dit que je suis propre, elle me dit que, est-ce que je lui demande, est-ce que le repas il est cachère? Et je demande à ma femme, chez quel boucher tu as acheté? Donne-moi, montre-moi la signature du boucher que tu m'as acheté de la viande cachère. Non. Regardez Rabotai. Le juif, la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, elle devient notre propre policier. On n'a pas besoin de la police à la maison. Regardez, tout ce qui est pour ce qui est, par exemple, qui ne me concerne pas ma vie spirituelle, la police est surveillée. Il y a les radars, la police qui surveille, qui contrôle. Vous traversez une zone où il y a une frontière, il y a la police. Et en plus, lorsque tu passes une frontière, tu remplis un papier, on prend des empreintes. Ça veut dire on te croit pas. Il y a toujours la surveillance. Vous allez en Amérique, vous prenez un avion, vous passez combien de sécurité, vous passez. Et là, passeport. Et s'il y a un problème, on ne te laisse pas rentrer. Mais est-ce qu'à Bretagne, les choses où j'ai plus de Sahara, j'ai la police qui me surveille? Non. Par exemple, lorsque je suis à la maison, comme je viens de vous dire, par exemple,
J'étais à l'hôtel samedi, dimanche soir. J'étais seul. J'aurais pu allumer la télévision. Personne ne me voit. Je ne la vois pas à la télévision. Mais je peux me dire, hey, je l'allume. Personne ne me voit. Tout le monde a. Il y a là, elle est grande, une grande télévision. Non. Pourquoi pas? Parce que la Torah, c'est elle mon policier. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle a dit, Shoftim vishutrim titelecha bechosha arecha. Ça veut dire que il faut que, comme il dit, Rabbi Haïm Vital alav shalom, il dit une phrase extraordinaire. Il va dire, comment Akash Baruch Hu, il a créé les yeux? Avec les yeux, il y a des sourcils. Dans le nez, vous voyez le nez, il est un peu tendre ici. Pourquoi? Comme ça, on peut le fermer. S'il y a une femme qu'elle passe, elle est trop parfumée, et ne pas avoir des envies, on peut fermer le nez pour ne pas sentir. On passe devant une, comment ça s'appelle, un restaurant qui n'est pas cachère. On n'a pas le droit de sentir un manger qui n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que ça peut infecter le cerveau. Donc, on peut, pour ne pas écouter le lachonara, regarder les oreilles, on peut fermer les oreilles. Et Baruch HaShem, on a la bouche, pour ça HaShem, il a créé deux lèvres pour les fermer, pour ne pas parler du lachonara. Regardez, ça, il dit Rabbi Haïm Vital, c'est ça les Shoftim, HaShem sur chaque membre dangereux dans le corps, HaShem, il lui a fait un sha'ar, une porte, un policier, un juge, pour surveiller. Surveille ta bouche. Ne dis pas qu'on t'a pas aidé parce qu'on t'a donné les lèvres pour fermer la bouche. Tu peux fermer ta langue. La langue, tu la retiens. Je mets pivot le chenot. Lorsque la langue, elle veut commencer à parler, oh, tu la tiens. Lorsque tu veux écouter la chenaga, tu te tiens. Donc, racontez quelque part. Akash Baruch Hu, tu ne peux pas accuser Akash Baruch Hu, un jeu, etc. Quand je te dire, je t'ai donné des éléments pour pouvoir t'aider pour ne pas écouter la Shonara, pour ne pas parler la Shonara, pour ne pas sentir, pour ne pas voir avec les yeux. Voilà, on peut fermer les yeux, Baruch HaShem. On peut les fermer, regarde. On a les yeux ouverts, on peut les fermer. Donc, on a la possibilité de fermer les yeux. Et c'est ça, rabotage. Et c'est ça. C'est la raison. Mais tout cela, mes amis, si on étudie la Torah. Si on étudie la Torah, alors, c'est comme par exemple une voiture. Une voiture, c'est la part. S'il n'y a pas d'essence, la voiture, elle ne peut pas rouler. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, mais il faut de l'essence. L'essence, c'est comme un avion. Si l'avion, il n'y a pas de pilote, qui va piloter l'avion? Il peut avoir l'essence, il peut tout avoir. L'avion, il est super bien, mais il faut le pilote. La beauté, la Torah, c'est le pilote. La Torah, c'est l'essence. C'est la Torah qui pilote. C'est ça qui nous donne le courage pour Be'ezat Hashem, pour pouvoir se retenir. Et c'est la raison, bien sûr, la Torah étudie d'avoir la police. Bien sûr, la police, c'est tout à fait normal. Mais la Torah n'est pas d'un autre genre de police. C'est normal que même si on parle de la police, il ne faut pas que la police soit corrompue. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter la police, on peut acheter des juges. Il y a dans beaucoup de pays qu'on peut acheter des juges, on peut acheter la police, on peut. Il y a beaucoup d'endroits, je n'ai pas le droit de citer des noms, tout marche avec l'argent. On peut acheter le juge. Donc la Torah te dit, fais attention, il faut qu'il y ait des juges et la police qui sont parfaits, qui ont la crainte d'Hachem. Mais de l'autre côté, à Bouteille, l'autre style du police et le juge, c'est toi. Toi, tu vas être ton propre juge. Toi-même, tu vas être la police et le juge. Et toi-même, tu vas décider, et je dois faire ça ou je fais pas ça. Mais pour arriver à ça, il faut la Torah. C'est la Torah qui va t'apprendre comment être un policier sur toi-même et comment tu vas être un juge sur toi-même. Je dois pardonner que beaucoup de fois, je me juge moi-même. Beaucoup de fois, j'ai envie de faire du mal. J'ai le Tzara. Ne croyez pas que on n'a pas de Tzara. On a le Tzara. Et après, je me demande, attends, et si je fais ça, il va m'arriver ça. Et si ça, et à Kadosh Baruch Hu, et ta ta ta. Qu'est-ce que le Hafetz Haïm? C'est quoi, Hafetz Haïm dit, c'est quoi, et natatil fnechem hayom? C'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, je vous donne la bracha et la klala. C'est quoi le mot hayom? C'est quoi hayom? Il dit, le Hafetz Haïm, c'est quoi hayom?
Haïm, ça veut dire que lorsqu'un homme il fait une faute, ça dépend. Est-ce qu'il a fait une faute ou il a fait une abera? S'il a fait une faute qui s'appelle klala, qui s'appelle une malédiction, alors le même jour, il crée à Shem Yishmor des malachim, des anges, qui sont là en train de l'attendre jusqu'à sa mort pour qu'il puisse se venger de lui. Alors, c'est pas. Déjà, Hayom, si tu fais mitzvah, alors cette mitzvah, tu vas créer un malach au moment que tu as fait Hayom. C'est la raison pourquoi il te dit, regarde, aujourd'hui je te donne. C'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais une mitzvah, tu crées une avera, tu crées un malach qui va t'attendre. Tu fais une mitzvah, tu crées un malach bien qui va t'attendre jusqu'à ta mort. Tu fais une avera, tu vas créer un malach mauvais qui va t'attendre à ta mort. Ayom, au moment que tu as fait l'avera. Ça veut dire, Rabotai, que pour que je comprends c'est quoi le sens de la avera et c'est quoi le sens de la mitzvah, eh bien, il faut l'étude de la Torah. S'il n'y a que la Torah qui va t'apprendre, qui va te diriger là où il faut aller. Rabotai, Bémet, ce qui est extraordinaire, c'est est-ce que moi, David Pinto, j'ai besoin qu'il y ait un surveillant qui va me surveiller tout le temps. David fait ça, ne fait pas ça. David fait ça, ne fait pas. Mais pour la rue, il y a la police. Hein. Il y a des caméras. Là où vous allez, il y a des choses. Mais je parle au niveau spirituel, où il y a beaucoup de Sahara. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me surveille? Fais ça, ne fais pas ça. Non. Pourquoi? C'est le fait que j'étudie la Torah. La Torah elle-même, elle va devenir pour moi un juge et un police pour me préserver quoi faire, quoi ne pas faire. Et je peux, à la maison, j'ai pas besoin que j'ai la police qui me surveille, j'ai pas besoin que j'ai une caméra qui me surveille, moi-même je me surveille. Mais qui me donne la force que moi-même je me surveille? Eh ben, c'est la Torah. Rabotai, ce samedi soir, si Dieu veut, c'est la Iloula de mon père. Hier, lorsqu'on est parti hier à Yerushalayim, pour Sheva Avrechot, de ma fille, celui qui nous a conduit, le chauffeur qui nous a conduit, c'est un minibus. J'ai vu que chaque fois il voulait me parler. Et chaque fois il me regarde. À un moment donné, je lui dis, tu veux me dire quelque chose? Il me dit, vous êtes le fils de Rabbi Moshe Aaron Pinto qui est enterré à Ashdod. Je dis oui. Il me dit, je peux raconter une histoire? Je raconte-moi. Il me dit, mais je ne sais pas comment vous la raconter parce que j'ai peur que vous n'allez pas vous prendre pour un fou. Je lui dis, être juif, déjà, il faut être fou. Être juif, parce que ce qu'on fait, les gens le prennent pour des défauts. Ne pas manger taref, respecter Shabbat, tout le monde travaille Shabbat, nous ne travaillons pas. On marche à pied, dans la chaleur. Les gens ne comprennent pas. Comment on est un peu bizarre, ils nous prennent pour des fous. Mais grâce à Dieu, on est heureux. Être juif, c'est être heureux. C'est tellement beau. Quand que la Torah, la semaine dernière, elle dit, « Zamahta behagecha, idio bilishai, comment je peux être content pendant la fête ?» Alors j'ai 7 jours, 8 jours de fête, et je dépense beaucoup d'argent, comment je vais être content? Comment je vais être content? Ça me coûte cher, je travaille pas, et la fatigue, et la vaisselle, et et le parterre, il faut travailler sur le Pessah, un mois avant Pessah. Et comment tu me demandes? Comment je peux être content? Il dit, et en plus, les frais que ça coûte, entre autres, ça c'est pas Bishai qui dit ça. Lorsqu'on fait des vacances, est-ce qu'on voit les frais que ça coûte? Non. Les vacances, on dirait que c'est normal. On dirait que c'est normal. Ah, pour les vacances, ah ouais, première classe et là, c'est normal. Mais pour la fête, pour acheter une pâte filine, le tsar est très fort. Tout ce qui est mitzvah, lui, ça va, tu dis, ça coûte cher, il faut pas. À quoi le panier, Rabotai,
Il dit le Beni Shai une belle phrase. Il dit, sache, de toutes les façons, tu dépenses rien du tout. Tu penses, tu crois que tu dépenses. Mais en fait, tu dépenses rien du tout. Parce que l'argent, c'est Hachem qui t'a donné. Alors, qu'est-ce que tu es en train de parler des bêtises? C'est Hachem qui t'a donné l'argent. Et quand je crois que t'as fait la bracha. Donc, pourquoi tu dis, si tu travailles, t'inquiète pas. Mais Rabotai, j'ai ajouté une autre phrase. Un homme qui étudie la Torah et qui a l'amour de la Torah, le contraire, c'est avec joie qu'il va faire la mitzvah. On raconte, après je raconte mon père, on raconte qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Abraham Amalar, qui était le fils du Magid de Mizritch, qui était l'élève de Baal Shem Tov. Une belle histoire raconte sur lui, on dit sur lui, pourquoi on l'appelle Amalar? Pourquoi on l'appelle l'ange? Rabbi Abraham, l'ange, Amalar. On raconte sur lui que une fois sa mère, elle est partie au Mikvé, en Ukraine, il faisait très froid, et c'était, le Mikvé était gelé, ça n'a pas fonctionné le truc là, le chauffage là, on chauffait l'eau, ça n'a pas marché, donc le Mikvé était gelé. Toutes les femmes qui venaient, la balanite leur disait, le mikvé, il est cassé, il est gelé, on ne peut rien faire. Elle vient, la femme du Magid Mizritch. Il dit, moi, je ne peux pas ne pas me tromper. C'est mon jour de mikvé, je ne peux pas laisser sur moi la touma. Elle lui a dit, la balanite, mais c'est dangereux. Tu mets ta vie en danger. Elle lui dit, moi, je rentre. Elle prend un marteau, elle casse la glace, elle casse la surface, elle a risqué un peu sa vie. Hein. Elle rentre au mikvé, elle se trempe, elle sort, il y avait un chien noir dehors. Et on dit que c'est pas bien qu'une femme qui sort du mikvé, qu'elle voit quelque chose de tamé. Alors c'est pour ça, aujourd'hui, une femme qui va au mikvé, c'est mieux qu'elle voit après le mikvé, elle va lire de Tehilim, ou qu'elle voit la photo d'un tzaddik. Un tzaddik qui est déjà mort. Ou qu'elle voit un livre de Torah, ou un livre de prière. Il faut la première vision qu'elle voit, quelque chose de kadosh. Comme ça, si elle sort dehors, si elle voit un chien, il n'y a pas de chien, bon, elle a déjà vu quelque chose de kadosh. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre encore au mikvé, la balanite, elle lui dit, t'as oublié quelque chose? Elle dit, non, je vais me retremper encore. Ah bon, pourquoi? Il y a un chien. J'ai vu un chien. Mais, je peux pas. Elle se trempe encore. Trois fois, le chien était dehors. Trois fois, elle s'est trempée. Voilà. Après quelques temps, elle sort dehors. Elle trouve un chariot avec quatre femmes habillées en blanc, des femmes nobles, qui lui proposent, est-ce qu'on peut t'accompagner chez toi? C'est l'histoire qui est là, c'est Abraham Amalach était à l'époque de Baal HaTanya. Donc c'est à peu près peut-être 250 ans, Machio Kazé, quelque chose comme ça. Elle ne demande pas de questions, elle monte avec eux, elle arrive à la maison, et lui disent, que Hachem te donne un garçon, tzaddik. Elle rentre à la maison, son mari, le magid de Mizritch qui lui dit, tu as tardé, j'ai eu peur pour toi. Elle lui raconte l'histoire. Ah. Il lui dit, alors tu es venu avec quatre femmes que tu ne connais pas. Non. Et tu sais qui étaient ces femmes-là? Non. Eh bien, c'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui sont venus de l'autre monde parce qu'ils ont vu comment tu as fait Misirot Nefesh, comment tu t'es sacrifié pour cette mitzvah. Ah ben, ils sont venus t'accompagner ici à la maison. Il a eu un garçon, ils l'ont appelé Rabbi Abraham Amalar. Comme qu'un ange, il est saint, ce garçon, depuis sa conception, était tzaddik, yisod, olam. Je l'ai périné deux ou trois fois.
ce tzadik en Ukraine. Donc à Bretagne, vous voyez, c'est ça. Est-ce qu'il y avait un policier derrière cette femme-là qui lui dit « Bah, tu t'en fous, allez, t'as vu un chien, c'est rien du tout, allez, va, tu vas pas, regarde, déjà tu as fait un sacrifice. » Est-ce qu'il y avait un policier de lui dire « Comment tu vas rentrer au mikvé, il est tellement froid. » Est-ce qu'elle avait un policier? Non. Et c'est qui l'a poussée? Elle-même. Elle-même qui était ce qu'on appelle self-service. Vous savez ce qu'est self-service? Avant, il n'y avait pas self-service. Avant, c'était le propriétaire qui te vend. Aujourd'hui, tu rentres dans un marché, dans un canyon, ou tu rentres dans un supermarché, self-service. Tu te sers toi-même. À part la bouteille, j'utilise le mot self-service pour toi-même. C'est-à-dire, moi-même, je me sers. Moi-même, je vais servir à mon corps ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi-même, je vais être le vendeur de mes pensées, l'acheteur de mes pensées. Moi-même, je vais être moi-même. Je vais être moi. J'ai pas besoin de police. J'ai pas besoin de gardien. J'ai pas besoin. Mon gardien et mon policier, mon juge, mon garde-corps, c'est la Torah. Elle-même, elle va me diriger. Elle-même, elle va me dire, David, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut pas faire. Mais pour cela, il faut que je la connais. Et si je la connais pas? Et si je la connais pas, comment je vais faire? Ben, il y a un problème. Vous savez, il y a quelqu'un, il y a, comment ça s'appelle? Je termine avec ça. Il y a un qui s'appelle Shmuel. On l'appelle Shmuel Akatan. À l'époque, c'était un grand tzaddik. On dit sur lui que si il était à l'époque de Moshe Rabbeinu, eh ben il aurait été comme Moshe Rabbeinu. Shmuel. Dans la Gemara, on voit toujours le nom Shmuel. Et les gens, ils venaient chez lui pour garder de l'argent. Écoutez ça, j'arrête. C'est une banque chez lui. Chacun qui ne sait pas chez qui garder de l'argent, on lui donne, lui il le regarde. Un jour, il est mort. Et les gens, ils sont venus pour réclamer leur argent. Mais il est mort. On vient chez ses enfants. Les enfants, ils ont dit, on sait que papa, il avait une cachette dans tel et tel endroit. Alors, on sait très bien que l'argent qui était sûr, dès que tu ouvres la cachette, il y avait de l'argent. Ça appartient à mon père. Et on va creuser un peu, et l'argent qui est en dessous, ça appartient aux gens à qui leur cache de l'argent. Et chacun avec son enveloppe. Alors, ils ont posé la question, et pourquoi ton père l'a fait comme ça? Il dit comme ça, si les voleurs, ils viennent pour voler, ils vont voler son argent. Pas l'argent des autres. Qui fait ça? C'est que lui, il a fait un truc que si jamais il y a des voleurs qui rentrent chez lui, parce qu'il savait que les gens, que lui gardait l'argent des autres, il a fait un truc spectaculaire pour faire tremper les voleurs. Ils vont creuser, elle a l'argent. C'est ça l'argent qui est là. Non. Creuse encore un peu plus, profondeur, tu vas trouver. Regardez, est-ce qu'il y a un policier qui le surveille? Personne. Et qui le surveille? Beaucoup des fois, on dit, il y a une phrase, on dit, Aïn ro'a, ve'ose shoma'at, ve'choma'at secha, ba'sefer nechtabim. Moi, beaucoup des fois, alors j'ai envie de faire du mal, et parfois, le Sarah est très fort, que même la Torah, et j'ai dit, la Torah, le Sarah était parfois est plus fort que la Torah. Mais je me rappelle de cette phrase. Deux. Pekka Avot, il y a des yeux qui te regardent, ça fait peur. Regardez à l'aéroport, aujourd'hui, dans tous les aéroports, partout, il y a la caméra. Dimanche soir, on nous a volé une caisse à l'Intercontinental, à l'hôtel, on nous a volé une caisse de champagne.
Ils ont volé une caisse de champagne. Ça a pris un quart d'heure pour la trouver. Ils ont utilisé les caméras, ils ont vu qui l'a volé. Tout de suite. Il y a aussi quelqu'un qui a perdu son sac. Ils ont utilisé la caméra, ils ont trouvé une femme qui a pris le sac et qui est rentrée dans sa chambre. Aujourd'hui, si dans ce monde-là, on sait ce que tu fais, ou allez comme là-haut, ce monsieur me raconte, il me dit, Abi David, vous savez qu'il y a quelques années, il y avait une levaya au cimetière. Donc j'ai pris le bus, j'ai pris les gens au cimetière. Donc moi, je ne connais pas ces gens-là. J'ai dit, je les attends dans le bus. Et le bus était en face du kéber de ton père. Alors je me suis dit, puis je suis là, je vais rentrer prier. Il y avait là-bas un monsieur qui prie. Un monsieur, un grand de taille, il prie avec une belle barbe, il prie. Alors moi aussi j'ai prié, hein, j'ai prié, et je suis resté seul. Le monsieur il est parti, et moi, je me suis dit, je vais m'asseoir un peu en face de la tombe. Il se demande, il me dit le monsieur le chauffeur, il me dit, Rabbi David, je ne vous connais pas, mais est-ce que je continue mon histoire? Ben, je lui dis, tu ne m'as rien raconté jusqu'à maintenant. Tu m'as raconté, tu es un chauffeur de bus, tu es rentré pèlerinier, tu avais un monsieur, alors quoi? Oui, l'histoire. Il me dit, alors j'ai levé mes yeux, il y avait là-bas une photo de quelqu'un. Et c'était ce quelqu'un qui était là-bas. Je lui dis, non. Tu racontes des bêtises, là. Il dit, je vous ai dit que vous n'allez pas me croire. Il dit, je vis avec ça depuis déjà 15 ans. Bon. Et je lui dis, vous savez, les tzadikim, je ne peux pas vous te dire. Je te crois. Tu ne vas pas mentir. Quel intérêt tu as pour me mentir? Mais je te crois. Mais c'est des choses comme ça. Ça ne m'impressionne pas. Parce que les tzadikim, ils viennent, ils partent, ils se promènent. Ils ont le quoi? Aujourd'hui, nous, malheureusement, on n'a pas de police dans notre vie spirituelle. Toujours, on dit, ah, c'est rien. Dites ça à la police. Tu brûles le feu rouge et t'arrêtes, tu dis ça rien. Comment c'est rien, dis-le-moi, comment c'est rien? C'est rien? Tu as vu le feu rouge? C'est rien. À lui, on ne va pas dire c'est rien. Mais lorsqu'on fait la avera, c'est rien. Ça, c'est rien. Et ça, c'est rien. Et ça, c'est rien. Et tout, c'est rien. Et entre-temps, tu crées des malachim, comme il dit, Hafetz Haïm, chaque avera que tu fais, tu crées un malach, qui te dit c'est rien. Il s'appelle c'est rien. Un syrien, voilà. Voilà, il t'appelle Syrien. Voilà. Et il t'attend. C'est ça, la bouteille. L'étude de la Torah, elle t'ouvre les yeux pour ne pas y arriver à dire Syrien. C'est ça, le but. Shoftim, veshotrim, titelecha, bechosh, aricha, boch Hashem. On est chez nous à la maison. On sait que notre femme, elle est nida. On ne la touche pas. On a le tsara. Parfois, le jour de son mikvé, elle est encore nida. Waouh! On ne la touche pas. Il y a un homme, Rabotai, il n'a pas touché sa femme 40 ans. Parce que tout le temps était Nida. Mais il aimait sa femme. Il n'a pas voulu la divorcer. Il y a des gens, il y a beaucoup de fois, je reçois des femmes, les pauvres, qui ont des problèmes de Nida. Il y a des femmes que, une fois dans l'année, ils vont m'écrire. Mais est-ce qu'il y a un policier à la maison qui voit ce que le mari fait? Non. Et le mari ne touche pas. Il sait parce que la Torah dit, il respecte. Mais tout cela quand? Lorsqu'on étudie la Torah. Mais lorsqu'il n'y a pas de Torah. Elle est étudiée avec amour. Et bien sûr, Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem, aujourd'hui, le monde, on n'a jamais vu autant de Torah aujourd'hui dans le monde, comme notre époque, comme aujourd'hui. Baruch Hashem,
Il ne faut pas s'y mettre à la pratique. L'étude, c'est l'étude, mais la pratique, c'est très important. Que Hachem, il vous protège, il vous donne. La soeur, Shabbat, je vais être avec vous si Dieu veut. Et bien, Est Hachem, on va parler sur Elul. Aujourd'hui, c'est le mois d'Elul, le mois de la Tichy. Le mois, c'est Rosh Hodesh, que vous aurez. Je dois vous dire, je suis fier de vous. Parce que vous deviez être au travail. Et malgré tout, ça, on ne voit pas ça à Paris. Hein. Je vous le dis. Hein. Ce que je vois ici, je le vois nulle part dans le monde. Voilà, je vous le dis. Donc, ça prouve au Hachem que vous avez un grand amour à Kadosh Baruch Hu et un grand amour à la Torah. Que Hachem vous protège et vous donne. Bracha v'etzlacha et v'hatta v'mitzvah mazato. حيم بنتو وقف لنا زي خوف